En direct sur TF1, l'Espagnol Fernando Alonso a réalisé le meilleur temps devant l'Allemand Michael Schumacher sur Ferrari et le Britannique David Coulthard sur McLaren Mercedes. Guillaume Lacroix et Pascal Marcelin sont sur place. Même en Formule 1, on est quand même mieux chez soi. Après un manque de chance flagrant au Canada et aux États-Unis, Renault revient fort, pole position pour Alonso à Manicourt, ce qui ne gâte rien. C'est la troisième fois que l'Espagnol réalise un tel exploit dans sa carrière, mais après avoir coup sur coup cassé sa transmission à Montréal, puis éclaté un pneu à Indianapolis, Alonso aimerait pour une fois faire juste 2 sans 3. C'est toujours important de partir en pole position. Ça fait 4 ou 5 grands prix que je fais de bonnes courses, mais que j'ai du mal à finir. Demain, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Alonso en pole, Trulli 5e et deux monoplaces qui ont forgé leur réputation sur la qualité de leur départ. Des ambitions claires que Flavio Briatore résume d'une phrase. Et quand tu pars d'un pole, tu ne pars pas pour arriver 4e, tu pars pour gagner. Même en partant 2e sur la grille, on peut difficilement imaginer que Michael Schumacher ne s'élancera pas lui aussi pour gagner. L'enjeu est simple, si Alonso passe le premier virage en tête, il sera extrêmement difficile à doubler. C'est dire l'importance du départ. Nous sommes en première ligne, vous pouvez compter sur nous. Il faudra également compter sur David Coulthard, 3e temps, peut-être enfin le renouveau de McLaren. Les 6 premiers pilotes sur la grille se tiennent en moins de 5 dixièmes de seconde. La lutte s'annonce donc serrée entre Alonso et Schumacher au départ. Mais avec Coulthard, Button, Trulli ou Montoya à leur trousse, les deux hommes de tête ont tout intérêt à surveiller de près leur rétroviseur. En tennis, Maria Sharapova.